Hey yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer tout simplement un tuto très complet et bien sûr le mode créatif. J'ai à peu près tout testé et je vais vous expliquer plein de trucs, notamment des astuces pour pouvoir construire plus vite et des choses que vous ne connaissez pas et qu'on ne vous l'a pas dit parce que dans le mode créatif, on ne vous dit pas tout. Je vais vous donner des astuces aussi, comment personnaliser des trucs. Vous allez voir qu'on peut faire des mini-jeux assez dingues en personnalisant quelques trucs et aussi les options très importantes de l'île que vous devez mettre à tout prix, sinon vous allez vous faire probablement avoir. Donc on est parti. Donc la première partie, c'est... Alors je vous donne la liste de tout ce qu'on peut créer. Donc d'abord, première chose, la chose la plus simple. Vous avez un téléphone. Le mode créatif est accessible pour tout le monde si vous avez le pass de combat. Sinon, vous devez attendre 7 jours à l'issue de tout ça. Pour info d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre mon code créateur SkyArt, les gars. Pour décembre, donc pour Noël, je vais faire gagner une PS4 et Xbox par semaine. Donc pour tous ceux qui me mettent mon code créateur. Donc en gros, c'est très simple. Vous me suivez sur Insta et vous m'envoyez un screen ou une photo avec votre téléphone du code créateur que vous avez mis. Et je tirerai au sort. En gros, toutes les semaines, je tirerai un des gars qui m'a mis dans l'ordre des 10 derniers jours. Parce que tous les 10 jours, le code créateur s'enlève. Donc en gros, je tirerai dans les 10 derniers jours, l'un de vous. Le dernier gagnant de la console de 9 ans, il s'appelle Dominique Luciani. Je le mettrai en description et il y aura aussi le screenshot du tirage au sort. Donc voilà, donc on est parti les potes, j'espère en tout cas que vous êtes chauds. Première chose, donc tout ce qu'on peut créer avec le mode créatif. Et je vais vous montrer un début de pyramide que j'ai créé. Je vais vous montrer aussi des astuces, etc. Je pense que vous devriez kiffer. Je vais pas juste vous montrer ce qu'on peut créer, etc. Je vais vraiment aller beaucoup plus loin pour que vous puissiez avoir des techniques pour pouvoir créer plus vite et créer mieux. Donc, première chose, déjà le déplacement. Quand vous appuyez deux fois sur espace, vous pouvez voler. Donc déjà ça c'est très important, mais ça c'est la base. Vous avez le téléphone. Le téléphone, en gros, c'est votre interface pour pouvoir choisir tout ce que vous pouvez créer. Donc, en gros, vous prenez votre interphone, vous appuyez sur X, c'est le bouton... vous appuyez sur le bouton d'inventaire. Donc, moi, à la base, c'est X. Donc, vérifiez bien, il y aura des boutons en anglais. Donc, n'hésitez pas à changer vos boutons pour faire des boutons cohérents. Mais si les boutons que vous allez utiliser là-dedans... Si vous avez, par exemple, un bouton qui est le bouton d'inventaire, c'est, par exemple, le bouton avancer, ça vous fera avancer en même temps que votre inventaire. Donc, attention à ne pas vous faire avoir. Les préfabriqués. Donc là, les préfabriqués, c'est tout simplement, en gros, c'est des bâtiments que Epic Games nous donne, qui sont tout simplement déjà construits. Et en gros, c'est les parcours. Les parcours plutôt simples, on va pas se mentir. Je vais vous montrer brièvement à quoi ça correspond. Hop, très rapidement. On va pas passer beaucoup de temps sur les préfabriqués parce que c'est pas le plus important. Donc là, en gros, j'explique ce que j'ai fait. Donc je choisis dans l'inventaire ici. Je fais s'équiper. Donc je m'équipe de l'objet. Quand je fais s'équiper, l'objet arrive dans ma main. Vous voyez que du coup, là, en 5, l'objet est arrivé dans ma main. Je le lance, un peu comme un fort de poche, et je le jette. Et quand je le jette, eh bien, ça crée tout simplement le bâtiment. Alors, imaginons que je le crée. Donc là, en gros, pour fabriquer, c'est tout simple. Hein. Vous courez, vous pouvez... Donc la première astuce, donc là, on est dans le cas de figure. Des fois, quand vous allez construire, vous allez arriver sur un bug. Et là, c'est le bug en question. Donc, quand vous avez ce bug-là... En gros, vous pouvez plus prendre les bumpers, vous pouvez plus prendre les trucs. En gros, vous pouvez plus prendre tout ce qui vous fait sauter. Donc là, normalement, je suis censé sauter, mais j'ai le bug. Alors, première astuce, donc je voulais vous montrer cette astuce-là aussi, d'ailleurs. C'est quand ce bug-là arrive, ce que vous faites, c'est que vous retournez à l'île de départ. Donc, l'île de départ qui est là-bas, ou alors vous allez... Donc là, vous voyez, il y a un TP qui vous permet d'arriver sur l'île de créatif. Ou alors, vous cliquez directement ici, retournez au menu créatif. Et là, vous allez pouvoir retourner, en gros, un peu au spawn. Et là, si je reviens dans l'île... Eh bien ça va débugger. Donc ça va être important parce que c'est un truc qui va vous faire chier. Donc ça malheureusement c'est un bug. Alors on rappelle le mode créatif il est encore en bêta. Mais il est pas en bêta. Mais il y a encore 2-3 petits bugs. Et là normalement ça devrait plus bugger. Donc voilà, donc première astuce qui va vous arriver parce que vous allez être bloqué. Donc bref, on est en gros c'est juste des parcours relativement simples. On saute là, on monte là-haut. On a des petites rambardes. Les rambardes on va voir plus tard à quoi ça sert. On a de la glace. En activant la glace on saute sur ces petits trucs là. Et voilà, donc vous avez compris, les préfabriqués, c'est en gros, c'est les trucs. Et là, on arrive à la fin. On a fini de préfabriquer. On va riser tout ça. Donc là, vous enlevez la base. Et ça va enlever la plupart des trucs. Pas tout, malheureusement. Là, par exemple. En gros, tout ce qui est barrière et petit mur va des fois un peu bugger. Donc là, par exemple, tout ça va bugger. Alors, je vais vous expliquer comment je supprime, là. En gros, je prends mon téléphone. Et il y a un bouton qui s'appelle supprimer. Là, le bouton supprimer, moi, je l'ai mis sur F1. F1 parce que F1, je m'en sers pas dans le jeu. F1, ça me sert à rien, du coup. J'ai choisi de mettre F1 comme ça, je vais pas être embêté dans le jeu à avoir des... Imaginons, je mets le bouton, je sais pas, G. Moi, c'est mon bouton piège, donc j'ai pas envie de... Quand j'appuie sur G, que ça fasse ça, tu vois. Donc là, mon bouton F1, c'est le bouton supprimer. Et je supprime tout, voilà. Donc bref, voilà pour les préfabriqués. Donc là, c'est pas très important. Passons pas trop de temps dessus parce qu'en fait, vous avez compris. Vous avez les préfabriqués. Vous avez aussi tous les bâtiments que vous connaissez, enfin la plupart. Vous avez...
les bâtiments de Tilted, vous avez les bâtiments de l'usine, là vous connaissez les bâtiments Tilted, les bâtiments usine, les bâtiments de Pleasant, la maison bleue, la maison niche, etc., etc. Et vous avez aussi les mêmes bâtiments, mais en décomposé. Donc c'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir avoir tous les murs accessibles. Imaginons, alors je vous montre un truc. Donc imaginons là, on a ce bâtiment. Hop. Je vais aller très vite hein, sur les bâtiments, parce qu'on a, on a des choses à voir plus intéressantes. Ça, c'est vraiment la base. Donc le but, c'est de faire un tuto complet, pas de passer une demi-heure sur « Ah bah, vous pouvez créer un mur, quoi. » Donc là, imaginons, on peut faire clic gauche. Donc en clic gauche, vous allez copier l'objet. Donc là, quand vous copiez l'objet, vous allez pouvoir le poser. Et vous allez pouvoir le poser autant que vous voulez. Vous allez récupérer l'objet exactement comme il est là. Vous voyez que c'est un objet un peu plus stylé, peut-être que le mur, bah, tout simplement, de base. Donc après, les goûts de goûtin chacun, etc. Si vous faites clic droit, vous allez prendre le mur. Et donc le mur, là-bas, n'existe plus. Vous avez fait un trou dedans. Imaginons que vous voulez prendre des trucs à l'intérieur. Ce que vous pouvez faire, c'est là, moi, c'est mon bouton F1. Je supprime par exemple les murs. Je peux le faire plus ou moins vite, etc. Et par exemple, après, j'ai accès aux trucs dedans. Donc, si je veux copier par exemple le banc, je le copie et je le place ici. Intéressant, par défaut, vous voyez à gauche, il y a marqué chute. Bouton G, chute. Alors, moi, G, c'est mon bouton piège. Donc, je sais pas si c'est le bouton ou pas par défaut. Mais en tout cas, en appuyant sur G, je fais oui ou non. Si, imaginons, je mets pas la chute, et bien quand je pose un banc, et bien il reste en l'air. Et vous allez pouvoir garder les bancs qui restent en l'air. Et ça va être utile pour, par exemple, imaginons vous voulez faire des, imaginons vous voulez faire des sauts. Le mec il va monter sur un banc, puis sauter sur un autre banc, etc. Et bah, en désactivant la chute, vous allez pouvoir, eh bien, faire ça très très rapidement. Imaginons je crée ça, genre le mec il doit sauter là, après il saute là. Et bref, donc là on vient de créer un parcours où le mec va devoir, sauter. Donc c'est un parcours bidon, hein, mais vous voyez un peu l'idée. Il va pouvoir sauter, etc. Hop, hop, etc., etc. Donc bref, vous avez compris. On va tout supprimer. Donc F1 encore une fois. On peut pas encore supprimer en zone. Mais bientôt, ce sera le cas. On pourra bientôt supprimer en zone. Donc voilà, vous avez compris. Donc ça, c'est vraiment la base. J'ai pas envie de passer trop de temps sur ça. C'est très simple. Donc clic gauche, vous copiez. Clic droit, vous, entre guillemets, volez. Si par exemple, vous avez pris un objet que vous n'avez pas envie d'avoir. Imaginons là, vous avez volé ce truc-là et vous n'avez pas envie de le voler. Bah, vous faites pioche et vous remettez votre objet à la place. Donc ça, c'est une astuce aussi. Autre astuce aussi, imaginons vous allez... Attends, il y a un mec chez moi. Très bien, bon, j'ai pas mis le truc en privé. Alors, attendez, il y a un cum, probablement un de mes modérateurs ou un viewers que j'ai en ami. Alors attendez, donc là, imaginons je prends l'objet. Donc là, on verra justement que j'ai pas mis le truc en privé, donc on verra comment faire. Donc je suis mort. Ok, donc là on prend le mur tranquillement. Alors je voulais vous expliquer un autre truc, c'était que imaginons là vous êtes comme ça et vous voulez construire. Imaginons là je fais les boutons de construction, donc le mur, le sol, etc. Eh bien le mur je ne peux pas le faire. Je peux pas faire le mur là, le mur me met un message d'erreur. Donc vous pouvez soit cliquer sur le sol, moi le sol ça marche, soit cliquer sur la pioche et revenir dessus. Donc là imaginons on supprime tout ça, on fait F1, on délète tout. Et donc là tout va quasiment se délète, il va rester des trucs qui vont entre guillemets bugger. Donc là, on a tout enlevé, nickel. Passons à la suite. Donc là, je vous explique un petit peu les trucs relativement simples. On va voir après les trucs un petit peu plus techniques, mais c'est quasiment aussi simple. Donc là, les préfabriqués, on a quasiment tout vu. À savoir qu'il y a un préfabriqué que je trouve incroyable, c'est celui-là. C'est le meilleur préfabriqué, je trouve. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, vous voyez qu'il y a des préfabriqués. En gros, vous avez tout. Hein. Vous avez des portes, vous avez tout ce que vous pouvez créer dans le jeu. En gros, vous pouvez le créer dans les préfabriqués. Donc là, je le crée en l'air. En gros, c'est parce que comme ça me permet de pouvoir plus casser tout plus facilement. Hop là. Petite astuce hein, de créer les trucs en l'air, c'est un peu plus simple. Et quand ils fixeront un petit peu les bugs qui font que tout pète pas, vous pourrez tout péter facilement. Donc là, en gros, vous avez des trucs qui n'existent pas vraiment dans le jeu. En tout cas, j'ai pas le souvenir de ces trucs-là. Clic droit, vous copiez ça. Clic droit, vous prenez. Donc si là, je veux le remettre, encore une fois, je reprends la pioche. Si, imaginons, je veux le copier. Donc là, imaginons, clic gauche, je le récupère. Je peux, par exemple, me faire, des sauts, encore une fois. Mais je vais vous montrer un autre truc. Voyons voir. Donc, imaginons, je fais ça, clic gauche. Eh bien, je peux faire des jumps, tout simplement. Et là, vous voyez que les jumps. Je sais pas si vous remarquez, mais le jump va de là à là, etc. Là, en fait, il est fixé sur une grille. Regardez à gauche, on avait vu la chute. La chute, c'était là. La chute, on est non. Là, si on met la chute, le truc tombe. Donc, G. Je sais pas si vous voyez au-dessus de moi, ici, là. Merde. Ici, là, il y a marqué chute, oui. Donc, si je mets chute, ça tombe. Si je mets chute, non, ça tombe pas. Là, on a fixé sur la grille. Fixé sur la grille, ici. Et ça, c'est pareil. Donc, en appuyant sur V, donc V chez moi, on peut créer les bâtiments qui ne sont pas liés à la grille. Et ça, c'est incroyable. Parce que dans Fortnite, vous savez, tout est fait sous forme de carré. Et ça, ça répond pas au carré. Donc, vous pouvez créer des trucs incroyables. Vous pouvez vraiment créer des trucs totalement différents. Deuxième chose, vous pouvez également faire tourner les objets. Donc là, imaginons, je copie ce truc-là. Je le fais tourner.
eh bien, je peux le faire tourner dans les deux sens. Je peux le faire tourner dans ce sens-là. Donc là, on a la rotation avec le R, la rotation avec le W. Donc sens horaire, sens antihoraire. Bon, c'est un sens et l'autre sens. Mais regardez, à droite, il y a marqué tabulation. Si je reste appuyé, ça reset la rotation par défaut. Donc il revient en gros dans l'axe de la grille. Si j'appuie sur tab, eh bien, je peux après faire que les rotations se fassent en vertical. Donc en gros, je peux quasiment tout faire. Je peux, si je veux poser le truc comme ça, je peux. Et je peux continuer à faire tourner, etc. Donc en gros, je peux faire des sauts plus ou moins hardcore, quoi. Et pareil, on peut imaginer du coup de faire un mur, on peut imaginer faire une magnifique tour Eiffel avec ça, on peut imaginer faire des trucs très jolis, donc en faisant une surface lisse et du coup bah, très belle tout simplement. Et donc là, bon, imaginons, on peut encore une fois utiliser ça pour faire des sauts, etc., etc. Donc bref, vous avez compris. Et ça c'est vraiment cool. Alors, voyons voir. Le truc de bloquer pour les gens dans mes amis, je ne sais pas encore comment le faire. Pour être honnête avec vous, je l'ai pas vu. Et passons tout ça. Ok, parfait. Bref, ça vous avez compris, c'est pour faire des trucs vachement jolis. C'est très pratique parce que vous pouvez imaginer du coup. Avec ça, vous pouvez tout créer quoi. Si vous voulez créer des pentes et tout, vous pouvez vraiment tout faire. Ça prendra du temps. Ça va être un truc qui va être assez gourmand en temps, mais vous allez pouvoir faire des trucs très jolis. Bref, on efface tout. Donc ça, on doit l'effacer malheureusement un par un parce qu'il n'y a pas de socle. Donc si j'enlève le socle, vous voyez que ça disparaît pas. Hop là. Ok, on a voilà pour du coup tout ce qu'on peut créer, toutes les rotations qu'on peut faire. J'essaie de donner quelques astuces, il y a encore beaucoup d'astuces qui arrivent. Donc là passons aux armes, donc là les armes et les appareils. Les appareils, je les ai mis tous là-bas. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça et les trucs qu'on peut customiser. Donc là de base, il y a le piège. Donc les pièges, c'est classique, vous connaissez. Les pièges sont très simples, quand vous cliquez dessus vous récupérez 5 pièges et donc 5 par 5. Donc là il y a un piège. Deuxième truc, il y a le piège de glace. Donc le piège de glace ici, vous voyez, temps de rechargement 3 secondes, temps de rechargement du piège 5 secondes, temps d'amorçage 1 seconde, etc., etc. On peut pas malheureusement modifier la durée du piège, etc. On peut rien modifier sur les pièges c'est les pièges de base. Donc on a le bump, etc. Alors j'avoue, je sais pas quel viewer c'est qui a rejoint ma game, mais c'est cool, mais j'avoue que pour la vidéo c'est un peu galère. On peut pas non plus customiser ça. La tourelle, on peut pas customiser non plus. Ça c'est un feu de camp, au bout d'un moment il est fini. Ça c'est un truc que vous ne connaissez pas, c'est le bloc de gel. Alors le bloc de gel. Alors on va le tuer hein, pour lui faire comprendre que il vaut mieux. Ah c'est Tobas, ah merde. Non ok bon c'est un viewer fidèle, mais pour le coup ça m'arrange pas. Alors attends, donc là la glace en gros vous allez pouvoir glisser et vous allez pouvoir en gros glisser que sur la surface. Comparé à la glace qui va durer 15 secondes qui est super super long et super chiant, là vous allez pouvoir glisser mais glisser que pendant genre une seconde. Donc c'est vraiment intéressant, c'est une bonne alternative. Vous voyez, temps de rechargement 1 seconde, durabilité 20, chance de critique, bon bref il n'y a pas de chance de critique, c'est normal. Donc voilà, donc c'est intéressant, ça permet de faire d'autres trucs, donc c'est vraiment pratique. Tac, donc on peut glisser tout quoi, c'est plutôt cool. Ici on a tout simplement des bumpers qui font 5 dégâts, donc c'est intéressant, on va pouvoir faire des pièges avec ça, on va pouvoir aussi faire des runs avec ça. Donc en gros quand on les touche, on est repoussé, si on les touche par en haut, on est repoussé en l'air. Donc vous allez pouvoir par exemple, imaginons vous faites ça, vous faites un jump ici par exemple, un truc comme ça. Vous pouvez imaginer un run dans lequel, eh bien le mec va pouvoir par exemple devoir sauter sur ça pour... alors merde, c'est clairement dur à faire. Donc là on l'a mis en mode vénère. Hop là. Voilà, donc j'ai réussi. Donc bah ouais, typical run qu'on peut faire, qu'on peut imaginer en tout cas. Alors, ok, il y a une option plus tard que je vous expliquerai. Donc là c'est la même chose mais avec un seul. Donc petite astuce là. Là en gros quand vous l'équipez et que vous avez celui où il y en a qu'un, ici, en gros, vous allez pouvoir le mettre mais que d'un côté. Donc en gros vous allez pouvoir le mettre que de ce côté là. Donc imaginons vous voulez le mettre de l'autre côté et vous faites une rotation, ça marche pas. Donc là j'arrive pas à le mettre là-bas. Ce que je dois faire du coup c'est me mettre de l'autre côté. Et du coup du truc, et donc on peut le mettre de côté. Bon c'est très simple, mais voilà, ça peut vous aurez, parce qu'en aucun cas vous aurez besoin de mettre les deux. Mais imaginons à un moment vous avez envie de le mettre, imaginons vous voulez pas le mettre là, quand vous posez ça pop là et vous le mettez là de l'autre côté, bien retournez-vous et vous pourrez le mettre du coup tout simplement de l'autre côté. Alors là ça marche pas, what the fuck, je sais pas pourquoi. Ah d'accord, je viens de comprendre. Parce que, ça se met pas sur le mur là, ça se met sur le mur de derrière. Ok, donc faudra qu'il y ait un autre mur, un autre sol à côté pour pouvoir le poser. Parce que ils sont alignés quasiment, mais c'est vrai qu'ils sont pas tout à fait alignés. Ok. Les caddies en gros bah c'est pareil, vous avez un caddie machin. Quand le caddie explose, si le caddie meurt, le caddie respawn. Si le caddie meurt pas, il respawn pas en tout cas a priori. Donc là quand vous montez dessus il y a les apparences. Même combat pour le quad, quand vous le cassez, eh bien il va respawner. Donc s'il casse pas, eh bien il va pas respawner. Les avions c'est pareil, même combat. Attention, les avions vont peut-être casser des fois leur socle. Et si vous créez un avion, imaginons vous créez un avion. Moi il m'est arrivé, alors je sais pas si c'était un bug ou pas, mais en tout cas j'ai eu ce bug là. Quand je créais l'avion sur un truc de bois, donc vous aurez peut-être ce bug là aussi. Quand je créais l'avion sur ce truc là, eh bien l'avion se cassait le socle. Et pour pouvoir qu'il survive, alors attends, je vais le recréer ici, tac 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 tac, ok.
Et voilà, bon, y a le même bug entre guillemets. Alors je l'ai pas eu tout le temps, des fois je l'ai pas eu. Donc si par exemple je suis comme ça, il y a moyen qu'il soit survive. Alors bon, ne me demandez pas pourquoi, mais là quand vous mettez un mur derrière ça fonctionne. Autre solution, c'est une sorte de poids ou quoi. Donc si vous faites un sol en métal, eh bien le bug, moi je l'avais plus et là ça se cassait plus. Donc vous faites un sol en métal et ça casse plus. Du coup bah, c'est plutôt pratique. Donc voilà, donc petite astuce pour ça, pour pas vous faire, pour que vous soyez en galère. Donc faites un seul en métal et vous aurez pas de problème de bug entre guillemets sur les avions. Là, c'est un nouveau truc. Ça, vous ne connaissez pas. Moi, je ne connaissais pas non plus. Donc c'est ici. Donc c'est tout simplement un timer. Donc vous allez pouvoir personnaliser. Donc là, c'est ce que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez personnaliser le timer 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Donc là, imaginons vous mettez 5 minutes. Quand le mec saute dessus, hop, ça déclenche le timer. Donc là, c'était 2 minutes en l'occurrence. On fait 5 minutes, 4 minutes en l'occurrence. On le valide. Et donc là, quand le mec le déclenche, bam, bien, compteur de 4 minutes. Et à 4 minutes, ça fait 0. Alors je sais pas ce qui se passe quand ça arrive à 0. Parce que je l'ai pas utilisé encore, pour être honnête avec vous. Est-ce qu'on peut faire des secondes ou pas? On peut pas faire de secondes, non, c'est 1 minute minimum. Très bien. Donc on va l'activer, on va voir ce qui se passe. Peut-être qu'il y a un wing wing, je sais pas, j'en sais rien. Ça, c'est le même genre de truc, sauf que là, c'est pour compter les points. Imaginons vous faites un match avec deux équipes. Eh bien, vous allez pouvoir eh bien, compter les points. Donc là, dès qu'il y a un point, bam, vous mettez un point, deux points, un point pour l'adversaire, yo-yo. Et quand vous arrivez, quand vous voulez tout réinitialiser, vous sautez au milieu et tout se réinitialise. Intéressant. Ça, c'est les plateformes de respawn. Dans les options qu'on va voir juste après, eh bien, quand vous mettez le truc, eh bien, vous pouvez choisir que les joueurs soit respawn en l'air, soit respawn à mi-hauteur. Ah merde, j'ai spoilé un truc. j'ai spoilé un truc qui arrive après. Une astuce que j'arrive à, que je vais vous expliquer après. Vous avez rien vu, vous avez rien vu, vous avez fermé les yeux, les gars. Je vais essayer de vous donner un maximum d'astuces de plein de trucs que j'ai trouvé. Donc là, on va voir justement ce qui arrive à 0 quand c'est à 0. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc c'est un petit story. Donc là, c'est un truc de vitesse. Quand vous montez dessus, eh bien, vous êtes projeté. Et ce truc-là, ça vient de sauver le monde, donc du mode PvE. Vous avez plusieurs modes. Vous avez le mode faible, le mode intermédiaire, le mode rien et le mode élevé. Donc typiquement, vous pouvez faire une feinte. Vous mettez ça, le mec va croire que ça va le bump. Et en fait, ça va juste faire un petit saut. Donc ça peut être intéressant pour pouvoir brain le mec et que le mec ait peur de se le prendre. Et en fait, il y a rien dessus, tu vois. Donc même combat, quand vous mettez en élevé, bah, le mec va s'approcher de ouf, etc. Donc ça, vous avez compris. Le tremplin, pas de personnalisation possible, c'est un tremplin classique. Donc voilà. Voilà pour cette partie-là. Les armes. Alors les armes, vous pouvez vous équiper les armes et vous pouvez créer des coffres. Alors ça, je vais aller très vite parce que c'est pas très important. Imaginons vous avez envie de mettre cette arme là dans un coffre, vous faites ajouter au coffre. Vous voulez également mettre une gourde, vous voulez également mettre des balles d'AR. Et bien, et là quand vous avez, du coup vous avez votre coffre. Donc là j'ai mis un coffre assez dense hein, mais donc là vous pouvez retirer les trucs, vous retirez tout ce que vous avez voulu tester, etc. Et là quand vous faites créer le coffre ou créer un lama, et bien ça crée un coffre où quand le mec va l'ouvrir, il y aura ce que vous avez mis dedans. Bon, ça c'est relativement simple, donc il n'y a pas vraiment d'astuce particulière. Vous pouvez créer des lamas en l'air, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Et après, les lamas par contre ne respawnent pas quand. Enfin, les lamas et les coffres ne respawnent pas quand vous les avez ouverts, ils sont ouverts. Voilà pour ça, donc là c'est pas très 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 important. On arrive maintenant à la partie des options. Donc là, les options, mon île, donc échappe, mon île, et là vous avez toutes les options. Donc vous pouvez soit mettre en partie libre, soit mettre en élimination, donc voilà, les gens se fight sur la gueule. Bataille générale, en gros c'est chacun pour sa peau, ça c'est équipe de 4, équipe de 3, équipe de 2, équipe de. Enfin, et pas d'équipe, tout le monde est ensemble. Limite de temps, 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 1 minute et pas de limite de temps. Donc là, c'est où les gens réapparaissent. Soit ils réapparaissent en l'air, soit ils réapparaissent sur les dalles. Les dalles de réapparition, c'est celles qu'on a vues tout à l'heure. Oh merde, j'ai lancé le jeu. En fait, en lançant le jeu, vous allez pouvoir en gros faire que tout le monde va respawn et ça va reset la map. Donc j'allais l'expliquer juste après. Donc là, je lance le jeu, donc là je suis plus en mode créateur, je peux plus voler. Donc du coup, je suis en mode entre guillemets de test. Alors on va peut-être voir si on peut, peut-être qu'on peut prendre dans ce cas-là le piège. Parce qu'en tant que créateur de jeu dans le terrain de jeu, on peut pas prendre les pièges. Donc là, j'ai pas eu l'occasion de tester ça. J'ai pas testé moi-même mes pièges actuellement. J'ai testé les pièges que je peux tester, mais pas les pièges comme ça. Est-ce que je peux me prendre mon propre piège? Je peux me prendre mon propre piège. Donc c'est parfait. Donc en gros, je peux tester moi-même mon jeu. Donc ça, c'est parfait. Alors retour en mode créatif. Donc là, on va revenir en mode créatif. On va revenir dans la map en mode créateur. Nickel. Donc là, mon île. Donc là, arrêtez la partie. Ok. Donc là, la partie s'arrête. Très bien. Mon île, du coup, donc paramètres. PV rempli, bouclier rempli, donc là c'est comme le terrain de jeu, c'est la même chose. Les munitions infinies, construction infinie, donc ça c'est pour moi, donc ça c'est vraiment bien pouvoir. Donc là la partie va se relancer, donc en gros ça reset la map, tout disparaît et tout réapparaît. Vous voyez, c'est assez classe comme apparition. Donc quand vous lancez la game, une fois qu'imaginons vous faites un combat et les mecs ont détruit la map, bon bah vous la resetez, etc. Enfin vous allez la reset.
Déposer les objets quand les mecs sont morts. Donc quand les mecs sont morts, est-ce qu'ils drop les objets ou pas? Les dégâts de chute, donc ça c'est classique. La gravité très bas, très fort, enfin très faible, faible ou normal. Les pseudos des joueurs, alors ça c'est très important parce que si imaginons vous faites un cache-cache et que vous êtes tous dans la même team, eh bien vous allez vous griller parce que vous allez pouvoir faire des games à 16, donc vous aurez pas forcément 16 équipes. Du coup, vous pouvez soit les cacher, soit toujours les montrer, soit les équipes uniquement. Donc en gros, vous avez vraiment accès à tout, c'est trop trop bien. Les hauteurs, quand vous respawnez dans le ciel, vous respawnez soit à hauteur élevée, soit à hauteur moyenne, soit à hauteur basse. Donc là c'est pareil, je vous donne pas d'astuce particulière. Une autre astuce qui arrive juste après. Donc là, réinitialiser l'île, donc si en gros vous voulez remettre l'île en mode de base. Et ça c'est très important, permission de modifier l'île. En gros vous allez permettre que les mecs qui rejoignent votre île puissent éditer, puissent supprimer, puissent voilà. Et donc là soit vous faites tout le monde, soit vous voulez construire avec des potes, soit vous voulez construire tout seul. Attention, quand vous faites réinitialiser l'île, ça réinitialise toute l'île. Donc en gros tout ce que vous avez fait sur l'île en question, si c'est l'île 3, ça va supprimer toute l'île 3. Vous allez l'avoir à l'île de base, sauf ce que vous avez créé en map. Donc réinitialiser l'île, ça reset la map par défaut, mais ça reset pas du coup ce qu'il y a en map. Parce que vous allez voir que là du coup on est en map. Donc là on arrive en dehors de la map. Si jamais, alors petite astuce aussi, si jamais vous êtes en glider comme ça et vous tombez pendant 5000 ans, parce que tomber en glider ça prend une éternité, l'autre astuce que je voulais vous dire c'était de réapparaître. Vous réapparaissez et du coup vous êtes directement en l'air et vous pouvez tomber. En gros tu peux pas fly direct mais tu peux tomber, donc en gros t'évites de tomber en glider pendant 15 minutes. Donc si imaginons j'active mon glider comme un connard, bah, je peux essayer de retomber sur un rebord. Et bah, du coup là on peut dépasser la limite de la map. Donc réinitialiser, attention c'est pour vider la map, donc faites pas l'erreur. Et donc comment dépasser la limite de la map? Et bien en fly vous allez pouvoir prendre un objet et poser, en gros vous posez un objet sur un autre objet en pré-construit et vous allez pouvoir dépasser la limite de la map. Je vous dis pas tout mais il y aura des trucs cool. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai créé un labyrinthe sans mode créatif et qui était pour moi, je pense, de tout ce que j'ai vu, peut-être le labyrinthe le plus stylé que j'ai vu, en tout cas français et anglais. J'ai pas regardé tout mais en tout cas j'ai créé un truc de ouf. Et donc si vous avez pas vu la vidéo, je vous conseille de la regarder, elle sort probablement samedi 8 décembre, donc demain, et au moment où je fais la vidéo. Mais voilà, donc bref, j'espère que ça vous allez checker. Je vais maintenant vous présenter une autre astuce très importante. On retourne au l'île créatif, je vais vous montrer une map que j'ai commencé à faire. Donc là, ici, vous allez pouvoir choisir votre map. Donc là, en cliquant dessus, vous allez pouvoir choisir la map dans laquelle vous allez vous TP. Donc là, on a quasiment fini, les gars. Là vous allez choisir la map 1. La map 1, c'est sur laquelle j'ai commencé à build. Et la map 1, donc là, elle se charge, vous avez accès là-bas. Donc là on rentre dans la map 1, et la map 1 vous allez voir à quoi elle ressemble. Elle se charge, on a créé une pyramide de pièges. Une pyramide de pièges, puisque là en l'occurrence on a commencé à la build l'autre fois en live. Donc n'hésitez pas à venir à mon live, suivez-moi sur Twitch et activez la cloche les gars si vous voulez me follow. Pour ça, ça va permettre de savoir quand je suis en live. Je live le mardi en perso, le dimanche et le vendredi soir. Le vendredi soir, pas tous les jours, pas tout le temps parce que des fois je suis en déplacement. Et donc là quand on rentre dans la pyramide, vous voyez que ici il y aura tout simplement des pièges. On est en train de créer les pièges petit à petit, donc le but étant pour les mecs de traverser la map, etc., etc. Donc il y aura des pièges, il y aura des sorties, il y aura des feintes, il y aura des pièges bien bien bâtards, etc., etc. Mais ça je vous laisserai le découvrir dans la vidéo de la pyramide. Je vais pas spoil parce que là je peux spoiler les trucs pas cool. Donc on va pas spoiler. Donc là c'est la pyramide. Et là je vais vous expliquer une astuce. C'est que, donc si vous aimez bien le concept de ça, regardez ma vidéo labyrinthe, elle va vous plaire de ouf. Ça s'appelle labyrinthe le cube. Et j'ai créé un cube et pour le coup, franchement, j'ai mis 3 heures à la créer parce qu'il n'y avait pas le mode créatif à l'époque. Donc je devais créer la map, la recréer à chaque fois qu'on la jouait, etc. Donc c'était la galère. Je vais vous expliquer une technique très importante. Imaginons là par exemple, là vous voyez que dans les angles c'est les toits. Et vous voyez que le toit c'est comme ça. Et là c'est ce look là. Quand vous créez comme ça, imaginons je crée comme ça, ça crée en turbobulle. Donc je peux créer en turbobulle. Quand vous créez avec je remets juste la map comme elle était. Hop là. Tac, ok. Donc là, en gros, je veux faire que ça a le même look. Et bah ce look là, eh bien pour avoir ce look là, il faut que j'édite ça et que je fasse un toit. Sauf que du coup, je vais devoir tout remplacer. Donc je vais devoir tout casser et tout remplacer. Et bah je vais vous donner une astuce pour ne pas avoir à le faire. En faisant ça, vous faites clic gauche, encore une fois pour dupliquer. Et bien vous allez pouvoir remplacer sans avoir à supprimer et rajouter. Et ça va vous faire gagner un temps fou du coup. Vous allez pouvoir gagner énormément de temps et au lieu de devoir passer des plombes à tout remplacer, etc. Et bien je vais pouvoir le faire. Attention, il n'y a pas le turbo. Donc là si je reste appuyé sur mon clic gauche, ça va pas marcher. Donc je vais devoir à chaque fois cliquer pour pouvoir le faire. Là vous voyez que je casse les murs en un coup. Et bien ce truc là se met ici dans les paramètres. Dégâts aux structures à la pioche, vous mettez instantané.
et vous validez. Et ça va casser les murs en instantané. Attention, des fois il y a des bugs. Moi, des fois, j'ai passé en instantané et ça marchait pas. C'était toujours par défaut. Donc, vérifiez bien. Il y a des petits bugs de temps en temps dans le mode créateur. Et donc, là, vous voyez que du coup, eh bien, on a remplacé une façade quasiment complète en quelques secondes. Alors que là, si j'avais dû tout casser et tout tout remettre, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Donc voilà, on a fait une façade de la pyramide. Il faut que je fasse les autres, mais vous voyez que ça va me prendre 2 minutes, quoi. Même pas. Donc, astuce très très importante si vous voulez remplacer, eh bien, les murs. Même combat, ça marche aussi sur les murs, eh bien, des préfabrications. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, les gars. C'était Sky pour une vidéo complète. J'ai essayé d'être le plus complet possible. N'hésitez pas à mettre mon code créateur et à m'envoyer le screen sur Instagram. Vous me followez sur Instagram et vous m'envoyez le screen du code créateur en photo ou en screenshot, tout simplement sur PC, ou enfin peu importe, comme vous voulez. Je choisirai, vous m'envoyez un screen tous les 10 jours, parce que tous les 10 jours ça reset. Donc du coup, je prendrai un screen qui date de moins de 10 jours de la shop. Et donc voilà, n'hésitez pas à le faire si vous voulez gagner la Xbox, la PS4 qui sera toutes les semaines. Donc là, toutes les putains de semaines, il y aura. Donc là, on est. Donc il y en aura une le 15, une le 22 et une le 30, je pense, pour la fin Noël, entre guillemets. Donc il y aura 3 Xbox PS4 à gagner pour Noël. Et bah, je vous les envoie par la poste via Amazon, hein, tranquillement. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plus les gars, c'était Sky. J'ai essayé d'être le plus complet possible. Je regarde si dans mon plan j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. J'ai dit toutes les astuces que je voulais dire a priori, donc c'est bon. Donc je pense que j'étais complet. J'ai dit le maximum d'astuces que j'ai trouvé. Si je retrouve d'autres astuces encore, j'en ferai d'autres. Mais voilà, j'ai essayé d'être vraiment beaucoup plus complet que juste. Vous pouvez créer les préfabriqués et créer des trucs comme ça. N'hésitez pas à mettre à activer la cloche sur les différents réseaux sociaux si vous voulez voir mes vidéos, parce que je pense qu'on devrait pouvoir. Ça, c'est fait pour moi. Hein. Je vais pas vous mentir, ce mode est fait pour moi. Bref, portez-vous bien. C'était Sky. À bientôt. Ciao ciao. Bisous et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre en code créateur et à me l'envoyer sur Instagram pour la console. Ciao.